Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole Jean-Fé de lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Je dis un grand merci pour confiance nous et fidélité nous. Pas oublier de partager la vidéo à moi, pas oublier de mettre un petit like en bas tout. Ok, merci un peu. Je dis là, on va préparer un petit poisson avec jus de coco et pour nous. Bon, mes poissons là, je vais nettoyer déjà, je vais laver normal là, avec citron tout là, regarde. Bien lavé, bien nettoyé, bien gratté aussi avec citron. Qu'on a là moi-même pour préparer l'assaisonner poisson avec jus de coco pour nous. Qu'on a moi-même pour commencer pour nous là avec petit jus de coco. Moi mettre sel, OK. Plutôt mettre poivre là. Une fois que moi mettre poivre là, qu'on a là, moi venir avec un épice haïtien moi fait. Et là, moi vais utiliser 2 cuillères, regarde. Hein, 2 cuillères. Pas plus. Qu'on a là, moi gagné, m'a fait là avec oignon, m'a fait là avec échalote grise. Si échalote nous gagne dans pays noir, moi prend 3 moi et mes sel. Et puis petit piment fait que ça te fait pour nous, moi fait le tout. Beaucoup, j'ai metté jus de coco. Là, moi metti seulement une cuillère mettre dans ça pour nous carré. De une cuillère de citron. C'est très important pour nous suivre l'étape ça, j'aime faire là. Et puis, je vais dire nous pour qui ça. Quand y a là, je ne vais pas le mariner. Pour mariner là, je vais mettre dans le poisson là. En dans quel poisson? En dans quel poisson, je vais mettre l'épice ça. Pas oublier de mettre celle-là, je vais mettre celle-là seulement sous bord ça. Quand y a, je vais virer. Mais pendant que je nettoie là tout, pendant que je mariner là avec l'épice ça, je vais mettre un petit sel aussi là-dedans. On a les deux côtés qui ont un sel. Bon. Une fois qu'il est là, normalement, poisson nous mariné. Poisson fin bien mariné, ça veut dire petit jus de citron, je vais mettre beaucoup parce que je veux goût coco et arrêter là-dedans. Petit jus de citron rentre dans poisson partout, c'est bon. Qu'on a là, venir avec demi-tasse de jus de coco. Demi-tasse de jus de coco, ça là, pas de l'eau là-dedans. Je prends le coco, je prends une petite machine pour ça. Je vais mettre là-dedans et sortir le jus de coco. Okay? Mais si toutefois, vous n'avez pas une petite machine, ou même qu'on a qui sur le café, vous allez prendre demi-tasse comme ça. Et pour grager le coco, et pour mettre dans la serviette. Et puis, quand vous avez grager là, vous mettez dans la serviette là. Et pour tordre, vous virez, vous voulez envelopper ma coco là-dedans. Et puis, quand vous tordre jusqu'à ce que vous avez demi-tasse comme ça. Ok? Moi-même, je vide le soulier. Et voilà. Quittez le soulier là. Qu'on a mal mettre ton couverture sous lui, OK? Moi mettre couverture là, moi là pour au moins 3 heures de temps. Après 1 heure et demi, moi prend le poisson, m'a peine virer le côté, m'a virer le bord, OK? Après ça, m'a venir avec nous de suite en suite. Qu'on a là, m'a plus que 3 heures de temps là depuis poisson à tremper. Moi découvrir lui mes poissons là. Là, m'a pas le déposer dans chaudière, OK? Bien sûr que chaud j'aime non tige trop petit, OK, mais c'est pas un problème. Qu'on a pour me déposer lui là, moi lever moi pour déposer poisson là, tranquillement. Ouais, même s'il est trop petit, c'est pas grave. On a qui ça me fait? Moi vide ti, moi vide ti jus là. Moi le faire là. Qu'on a là, mettez couverture. On pas mettre en pile volume. Moi mettez à 4. Et puis tout, moi va attirer attention sur quelque chose. Je vais mettre l'huile. Je vais apprendre à faire un bagage sans l'huile. Nous va le bagage. Parce que cocoya c'est graisse lié tout. Nous va le OK? Qu'on a quitté là pour le cuire tranquillement. Je vais mettre là à 4 là pour 10 minutes comme ça là. Qu'on a là, je vais le virer de côté. OK? Ils font une petite sauce tout petit, OK? Na mon virer moi pour mettre foie, me simplement mettre foie à 3 qu'on y a là. Toujours avec un petit couverture qu'on a pour les souer. Wow. Na mettre foie et 3, moi mettre couverture encore qu'on a m'a quitté le feu en l'autre 5 minutes encore là. Il te fait en 10 minutes aller qu'on a m'a quitté le feu en 5 minutes. L'autre 5 minutes là fin couler là. Moi fais mes foie moi, c'est prêt. Et là, OK, il dit pas ba en pile jus. Il pas bien en pile sauce, rien du tout. Qu'on a la moins pour le mettre dans une assiette pour nous.
pas oublier m'pas mettre l'huile là-dedans. Si toutefois ou même vous voulez absolument mettre un petit l'huile là-dedans, moi le montrer nous comment nous mettre un petit l'huile. Mais là c'est parfait. Comme ça poisson a un goût poisson avec seulement jus de coco. OK? Qu'on a mettre là-dedans. Une fois que vous mettez poisson, qu'on a déposé petit jus poisson sous lui. C'est parfait, c'est excellent, OK? Qu'on a la bon bagarre pour me dire nous là tout. Et on ti mettez quelques petits crédits bon côté, il y a une boîte de poivron, OK, on va mettre côté lui. Moi une petite carotte blanchie et puis voilà, mettez ça sous lui comme si c'était petit caille. C'était petit poisson avec jus de coco qu'on a là. Nous c'est comme s'il y a une petite graisse là-dedans. Alors ce qui m'a mis graisse, c'est coco même qui a un gras là-dedans. Si toutefois ou même ou aimer l'huile d'olive ou gain vrai l'huile d'olive là car ou faut qu'on gain l'huile là-dedans, là ou gain avoir nous mettons c'est l'huile d'olive par-dessus. Deuxièmement, moi fait deux poissons me mettre seulement un quart de tasse de jus de coco, mais ou même soit faire là car ou gain plus monde ou gain droit même mettre yon tasse de jus de coco. Ou bien plus. Mais on pas besoin de mettre un yon encore qui ça mette là parce que c'est vraiment bon. On a mal goûté moi. C'est très 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 bon. Ok? Moi montre nous comment vous nous faire yon poisson avec coco. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédolin dit votre chef à la maison qui t'entre la caille nous. Merci. Au revoir.